C'est parti, bonjour à tous, Standing Media, vous êtes sur Acoustic Lounge, c'est Alibi pour vous servir, on est dimanche, il est 17h, on accueille du coup un nouvel artiste pour chanter en direct, c'est ça qu'on aime, c'est ça que c'est bon, c'est ça qu'on aime, c'est ça que c'est bon. Quelqu'un peut m'arrêter? C'est ça que c'est bon. Stop Anissa. Merci, je suis accompagnée aujourd'hui de deux personnes extraordinaires, mais pour commencer, le sucre, le miel, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai placé Zlabia, j'ai placé la date. Qu'est-ce que je peux rajouter de sucré, de... Les Skittles, allez. Parce qu'elle est en couleur aujourd'hui, elle est toute rose, elle est toute belle, elle est toute fraîche. Joe Caramel, dans la maison. Ah là là. Ouh là là. Applause les gars, applause. What's up Joe? Ça va Nissa, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Joe d'être avec moi. Avec plaisir. Merci d'être fresh, d'être toujours de la tête au basket. On Flick. Mesdames et messieurs, donc c'est Acoustic Lounge. Le concept de l'émission, vous connaissez, c'est un artiste par semaine qui vient pour interpréter ses compos, pour chanter, pour défendre son art, ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il respire, ce qu'il transpire. Et aujourd'hui, nous accueillons Weirdo. Bonjour à tous, bonjour à vous. Hey, c'est bon, avec un petit décalage. Merci. On y arrive. Comment ça va? Ça va super. Et ça vous? Ça va top, merci. Je suis trop content. Ouais, bah moi aussi je suis contente de t'accueillir. Alors moi je m'appelle Weirdo, j'ai 22 ans, je suis auteur, compositeur, interprète. Ok. Et enchanté à vous tous si vous ne me connaissez pas, et bonjour à tous ceux qui me connaissent. Oh, moi je suis impatiente, je suis comme ça, j'ai vu le piano, je me suis dit Alors j'ai grandi dans une famille de musiciens et d'artistes, donc depuis que je suis tout petit, je chante, j'écoute beaucoup de musique, je touchais, je pianotais. Du coup j'ai appris tout seul le piano quand j'étais petit, j'étais au conservatoire de Montreuil, j'ai pris des cours de saxophone, de chorale, enfin voilà vraiment de la musique depuis que je suis tout petit. Et après mon lycée, j'ai décidé de faire une formation professionnelle de comédie musicale. Et après ça, bah, j'ai été diplômé de l'école. Et depuis que j'ai environ 14 ans, je compose dans ma chambre avec Ableton Live, sur mon ordinateur, mon petit clavier, mon micro. Et en sortant de l'école, je me suis dit que c'était le moment. J'ai sorti ma première chanson, j'ai fait mon premier clip. Et ça continue, il y a encore beaucoup de surprises qui vont arriver. C'est un besoin quoi, je sais ce que je veux faire depuis que je suis tout petit, c'est ça. Je suis admirative des jeunes, tu vois, de 20, 22 ans, même parfois avant, qui osent, qui se lancent. Et vraiment, je vous encourage à faire. Et puis, effectivement, c'est pas grave. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. On réessaye. Vraiment, je t'encourage dans ce sens-là. Alors, Weirdo, écrit comme ça, c'est un mélange entre widow, la veuve, au féminin, c'est fait exprès, et weirdo, le chelou, le bizarre en anglais. Ouais. Une histoire derrière ce personnage que je veux faire découvrir au fur et à mesure des clips, parce que je veux que ce soit très visuel aussi. C'est surtout aussi pour dire que j'ai dû faire le deuil de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a le côté veuve au féminin aussi, parce que j'accepte énormément le côté féminin, mon côté féminin. Je me suis toujours considéré comme un mec un peu chelou, et j'adore tout le côté étrange. J'adore artistiquement jouer avec l'étrange et ce genre de choses. Et mon nom de scène, je voulais vraiment que ce soit ça, en mélangeant ces deux termes. Et vous allez tous tout comprendre très prochainement. J'aime beaucoup l'idée ouais. d'avoir donné un nom et puis après d'inviter du coup ton public à te suivre dans la durée pour pouvoir comprendre d'où est venu ton nom. Je trouve ça vraiment très intéressant comme démarche. Quoi ? T'as l'heure, je t'ai pas dit, il est dans le turfu. Alors du coup, la première chanson que je vais vous interpréter, elle s'appelle Blue. C'est une des premières chansons que j'ai pu chanter à des soirées auteur-compositeur. C'était une petite dédicace pour la personne qui était dans la salle en plus. C'est pour toi. La personne se reconnaîtra. Because you're blue. Yeah, I know you're blue. Guess what, I'm blue too. Exactly like you. Okay, you're blue. Incroyable, j'avais des frissons, de temps en temps la bouche ouverte, de temps en temps la larme là, qui montait mais qui disait non, hey, on pleure pas ici. You've broken my heart. Enfoiré, va. What's my name, you motherfucker? Drancy. Drancy, 9-3, tu ne peux make pas me test. Lose my mind. Open hair, open hair. Y'all gonna make me lose my mind. Open hair, open hair. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, vous êtes sur Acoustic Lounge, Standing Media. Nous recevons Weirdo qui aujourd'hui est prêt à nous dévoiler en exclusivité une petite partie de sa prochaine chanson. Yeah,
Alors, c'est une chanson de Lady Gaga, justement, mon idole, pour faut se le dire, qui s'appelle Angel Down, qui traite de Black Lives Matter, aussi, qui parle d'un enfant qui s'est fait tirer dessus par un policier dans la rue. J'ai un peu plombé l'ambiance, je suis désolée. Non, c'est bien, c'est des messages c'est... importants c'est qu'il faut passer, qu'il faut c'est faire passer, c'est exactement. Super important. Non, c'est exactement. I'm a believer, it's a trial, foolish and weaker, oh, 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 I'd rather save that angel down. I'm a believer, it's chaos, where are all leaders? No, I'd rather save that angel down. On va faire un petit quiz. Gaga, oh là là. Ok, première question. Quel est le vrai prénom de Lady Gaga? Stéphanie Angelina Joanne Shermanotta. Donc d'où vient le nom de scène de Lady Gaga? De la chanson Radio Gaga de Queen. All we hear is Radio Gaga. Bah évidemment. Quel était son premier tatouage? La clé de sol. Oh waouh, il est fort. Ah, on m'a pas laissé le temps de répondre. Ah, tu l'avais? J'allais dire la clé de sol. C'était escroc. Regarde comment elle aime pas perdre. Elle m'énerve. À qui était originellement destinée la chanson Téléphone? À sa sœur. Britney Spears. À sa sœur. Ah, j'essaye aussi jamais. On fait toujours une chanson pour la famille, tu vois. Mais c'est pas une dédicace. J'ai dit qui devait la chanter de base. Ah, j'avais pas compris la question. Je voudrais dédicace. Je voudrais. Lady Gaga possède les vêtements d'une célébrité. Déjà, il faut dire, voilà, j'ai bien compris voilà, la question. Ok. Okay. Des vêtements des vrais que cette personne a portés dans sa vie. Ok. Réponse A, Marilyn Monroe. Réponse B, Elvis Presley. Okay. Réponse C, ouais, tricheuse. Non, réponse je C, David Bowie. Réponse D, Michael Jackson. J'aime bien la dernière réponse. Michael Jackson. Quelle tricheuse, je meurs. Sinon, j'ai gagné. L'image, tu me dis qu'il faut en prendre soin. Je peux sourire pour te plaire. Sourire pour te plaire. Sourire pour te plaire. C'était un plaisir d'être ici. Big up à ma mère. Big up à mon père. Big up à ma famille. Big up à vous deux. Surtout, merci. Oh, merci. Big up Alibi, big up Joe Caramel, big up Standing Media.